Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Arcade Paradise, on est sur Xbox Series X, sur le Game Pass. Attendez, je passe mes jambes autour du micro. Et donc on va faire tout de suite une nouvelle partie et on va se découvrir ça. Je n'ai aucune idée de ce que c'est dans le Game Pass. Ça vient d'arriver là aujourd'hui le 3 juillet. On va découvrir ça ensemble dans une petite vidéo. Ça changera un peu des deux let's play qui ont été postés ces dernières semaines. Bon. Mais je connais ce jeu en fait. Bonjour Ashley, c'est ton père. Je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. Il était temps que tu aies de vraies responsabilités. King Wash était l'un de mes premiers investissements à Greenstone, et c'était loin d'être le plus important. Sincèrement, j'avais un peu oublié l'existence de ce dépotoir. Mais peut-être qu'avec une bonne gestion, même un être aussi capricieux et ingrat que toi pourrait le faire marcher. Sympa. Je vais te réexpliquer les bases une dernière fois. Écoute-moi bien. Pour commencer, prends un panier de linge sale et place-le dans une machine vide. En fait, je connais ce jeu. Je crois qu'il était sorti sur Steam, peut-être en Early Access. Et j'ai vu une vidéo sur une autre chaîne de c'est Kira, je crois c'était il me semble que c'était elle, j'avais vu une vidéo et je crois que c'était elle mais je suis pas sûr. Et vous inquiétez pas, il y a bien une salle d'arcade, après elle sera derrière. Mais il faut en même temps gérer une laverie. Passer à ne rien faire et du temps perdu. C'est toi qui dois t'occuper de l'entretien du local. Tu dois également ramasser et jeter tous les déchets. Il y a une benne à l'arrière du bâtiment. On va ramasser la merde. Hein. Les gens sont vraiment dégueulasses, hein, mais ça, bon. Est-ce que ça me choque? Attends, je peux pas aller. Il y en a encore à ramasser? Ah oui, là, sur la poubelle. Tout va bien, hein. La lampe de ta montre retentira lorsque le lavage sera terminé. Retire le linge mouillé et place-le dans un sèche-linge. Par contre, à l'époque... Ou alors c'était Galax, peut-être, la vidéo que j'ai vue, je ne sais plus. Mais à l'époque, il me semble pas qu'il y avait du français, qu'il y avait tout ça par contre. Hein.
t'occuper de toutes tes autres tâches. Ta réputation déterminera ton succès. Tu peux perdre des clients à cause des machines cassées, des déchets sur le sol ou des toilettes mouchées. Personne n'a envie de revenir dans une laverie défectueuse ou qui sent mauvais. Bon. Et chiottes bouchées. Ah d'accord, attendez. Une fois que le linge est sec, récupère-le et prépare-le pour que le client puisse venir le chercher. Mais carrément, de quoi ? Donc on est dans une laverie où les gens ne restent même pas pour laver leur linge. Être en retard, garde le local propre et ne cherche pas à faire des économies aux dépens de la qualité du service. Écoute, achève. Je sais qu'à ton âge, gérer une laverie n'est pas vraiment très glamour, mais tout a un prix dans la vie. C'est pour toi l'occasion de me prouver, pour une fois, ce dont tu es capable et que je peux te faire confiance. Faute de quoi, eh bien tu viendras filer un coup de main à l'usine d'emballage et répare les toilettes. Attends mon gars, je ramasse les déchets. Parce qu'il y en a plein par là aussi. Premier jour en tant que manager, t'as déjà reçu le discours condescendant de papa. T'inquiète, on va faire une salle d'arcade. Et ben on va aller faire ça tout de suite. En fait, il parlait de ces machines-là, bon. Non, je veux pas jouer. Mais non. Comment on se barre? Comme ça. Je ne veux pas jouer. Plus tard. Il y a beaucoup d'argent dedans. La machine à laver fonctionne grâce à des jetons. N'oublie pas de récupérer l'argent de la machine à jetons régulièrement et mets-le dans le coffre-fort qui est dans le bureau. Ouais, bah. Pour l'instant, les machines d'arcade rapportent plus que ça. Hein.
Hop. Bah ouais, c'est pour ça. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je suis concentré un petit peu, je lis. Je vous laisse lire en même temps. Mais ouais, les machines, les bornes d'arcade rapportent plus de sous que les machines à laver. Alors, on a 500 balles. Pour l'instant, on va acheter celle-là. Pour l'instant, faut s'occuper du linge. Alors je sais que c'est pas forcément très très glamour hein, pour vous. Mais ça fait partie du boulot, la vidéo est pas trop longue pour l'instant. Mais en fait, ouais, je me rappelais plus du tout du nom du jeu. Mais effectivement, j'avais déjà vu des vidéos. Les gens sont vraiment dégueulasses. Ah, d'accord. Faut me dégoûter tous. J'ai joué dans ma salle d'arcade plutôt. Ça me rapporte de l'argent de faire ça en plus, c'est cool. Elle est quand même pas dans un très bon état cette salle, le truc il est vide. Après je vous ferai des cuts hein, évidemment. Hop, on va limiter les efforts. Hein. On est quand même dans une rue un peu pourrie, hein. Il y a des tags, même la rue est pas propre. Bon, ce truc-là, c'est important de le faire parce que ça rapporte de l'argent. Puis ça permet de garder l'endroit propre, quoi.
Ça y est, cette machine-là est terminée. Pour l'instant, j'ai pas d'autres clients. J'ai 311 en banque. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres bornes, donc s'il y a celle-là, mais j'ai pas l'argent. On verra ça plus tard, mais en tout cas, ça peut être un vrai bon plan d'avoir une salle d'arcade qui fait un peu de sous en plus. Et les gens sont contents, ils ont de quoi patienter, ça va les faire revenir. Donc, moi je dis pourquoi pas. Pour l'instant, je n'ai pas de nouveaux clients. Quelle heure il est? Ok. On enchaîne. C'est bien d'enchaîner rapidement. On va tout récupérer. Que mine de rien, ça fait un petit peu de sous. Ouais, merde, même celle-là va plus me rapporter d'argent. On va la mettre ça au coffre. C'est un petit peu chiant le coffre. Hop, on va déposer ça. On va faire au moins celle-là, tant pis. Et on va se casser. Et on va s'arrêter là pour cette grosse vidéo que je vais devoir bien couper. Est-ce qu'il se passe des choses ou pas? Il y a de la merde partout. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.